Combien est-ce que je vais faire d'enfants dans le futur? Vous pensez que deux, ça suffit? Une fille, un garçon? Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, là où je vais vous parler d'une femme qui a eu énormément d'enfants. Vous dites certainement 10, 15, peut-être 20, mais non. Elle n'a pas eu non plus 20, 30, voire 40 enfants. Non, absolument pas. Au contraire, cette femme a eu 69 enfants. Et encore une fois, une seule femme a eu 69 enfants, pas plusieurs femmes. Et tout cela en seulement 76 ans. En 76 ans, elle a eu 69 enfants. Donc imaginez bien le nombre de fois qu'elle a accouché. Pour commencer par les faits, tout d'abord, j'aimerais vous donner le contexte. Cette histoire date de 1700. C'est-à-dire qu'on remonte ici à 200 ans avant, voire 300 ans avant. La femme en question s'appelle Valentina Vassilieva. C'est la femme du paysan Féodor Vassiliev. Tous les deux viennent de la ville de Chouïa en Russie. Du coup, comme je vous l'ai dit précédemment, cette famille a vécu dans les années 1700, plus précisément entre 1707 et 1782. C'est-à-dire que les parents ont vécu jusqu'à 1782. Et Valentina, la maman en question, est morte à l'âge de 76 ans. C'est-à-dire que pendant toute cette période, elle a eu au total 69 enfants, dont deux bébés qui sont morts dès la naissance. Mais comment cette maman a eu autant d'enfants ? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à partir d'un certain âge, c'est-à-dire autour de la quarantaine, une maman ne peut plus concevoir d'enfants, voire peut-être à partir de 45 ans. Mais Madame Vassilieva a eu 69 enfants en seulement 18 ans. Comment c'est possible? Tout cela s'est déroulé par étapes. Du coup, parfois elle était enceinte de 37 semaines de deux enfants. À des moments, elle était aussi enceinte de 32 semaines de triplés. Et carrément, il y a des périodes où elle était enceinte de 30 semaines de quadruplés, c'est-à-dire 4 enfants en même temps. Du coup, si on calcule tout afin d'obtenir le total des semaines qu'elle a mises pour mettre au monde 69 enfants, on arrive à un total de 936 semaines, ce qui représente encore une fois 18 ans. En gros, elle est restée enceinte pendant 18 ans, en continuité. C'est vraiment très impressionnant. Mais il y a un truc encore plus impressionnant, c'est que comme je vous l'ai dit, son mari était un paysan. Du coup, elle aussi, elle a dû faire de l'agriculture. Du coup, elle a dû travailler avec ses enfants dans son ventre. C'est pour ça que plusieurs experts ont mené des recherches histoire de savoir comment elle a eu autant d'enfants. Alors que techniquement, elle travaillait. Techniquement, pour une femme, c'est pas très possible d'avoir autant d'enfants. Du coup, voilà, les experts s'étaient posé des questions. Après, je vais pas trop insister sur ça parce que ça va vous ennuyer et c'est quelque chose que vous pouvez lire chez vous. Bien sûr, comme certains d'entre vous voulaient l'entendre, cette femme a eu le Guinness World Record. C'est-à-dire qu'elle est inscrite dans le livre de records comme étant la femme qui a eu le plus d'enfants dans sa vie. Je me suis dit un truc dans ma tête, il me imaginez le nombre de petits-fils qu'elle a certainement dû avoir. Le nombre de petits-fils, le nombre de arrière-petits-fils, ça doit être vraiment incroyable. Du coup, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu et que je vous aurai appris une nouvelle chose. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à faire ce que vous voulez avec la vidéo. Et on se retrouvera pour une prochaine vidéo.